Jade m'a dit quoi? Salut Dick! Désolé si je t'ai mis un plan hier, mais j'ai un empêchement chez moi. Mon cumul, il a pété, j'avais de l'eau partout. Je vais venir un plombier, ça a pris trois plombes. Je vais essayer de pêcher au Jade. Ça va ou quoi, mon pote? Ouais, toi, t'es arrivé direct, hein. Bah c'est quoi cette coupe, mec? Excuse-moi, moyen qu'on se capte ou pas? C'est moi qui invite. Je vais juste au nord pour vendre et j'arrête les tâches. Je suis pas des trucs israéliens à vendre. Attends 10 minutes, je vais canne! Eh, tu peux me déposer au parking, s'il te plaît? Je vais récupérer ma moto. Wouh! Ce soir, je vais canne! Ce soir, je vais canne! Tu me mets combien sur 20? Wesh mon pote, tu vas comme ça là? Carême. Pas bonjour. Ah ouais mon pote, j'ai un rencard. Tu crois quoi tu? Faites-vous passer pour mes gardes du corps. Habillez-vous en garde du corps. J'ai envie d'aller la chercher avec une voiture volée, une voiture classe. Oh désolé, je t'avais pas vu, ça va? Attends, j'appelle un ami. Jade, tu veux conduire? Teste un peu ma bécane. Eh vas-y, ouais. Teste ma bécane. Tu veux que j'aille où là? T'inquiète. Tu veux que j'aille où du coup? Il y a un ami qui va venir. Ah ouais, tu veux que j'aille à quel endroit? Rien de me poser à la plage. Ah, attends, ouais. Tu crois que là on est en couple maintenant là? Parce que tu m'as lu un poème? Bah, un peu quand même. Non, mais d'accord. Mais non. Moi, tu sais, je me mets pas avec quelqu'un comme ça. Oh putain. Qu'est-ce qui se passe là? C'est lui qui m'a fait conduire la voiture, c'est lui qui m'a demandé de venir jusqu'ici, et là maintenant il fait genre que c'est moi qui fais le truc toute seule. Là, pas du alors tout. Qu'en fait c'est lui qui a volé. Attendez, c'est pas ma voiture ça. Hein. C'est interdit de stationner ici, donc à la base, on peut. Agent Hawk! Fallait pas voler la voiture, Jade, entre voler nous. La voiture, mais la compte de toi, qu'est-ce que tu racontes ça? Jade, fallait pas voler la voiture! Wouah! Allez, vas-y, remballe maintenant. T'as calmé ou pas là? Vas-y, c'est bon. Appelle une ambulance. Ok, c'est bon, elle arrive l'ambulance, t'inquiète pas, elle va arriver. Je vais la arriver. Ils arrivent. Je vais demander au médecin qu'il te fasse une fouille rectale parce que visiblement voilà. T'as des problèmes au cul. Voilà, je vais. T'as mal au cul. Je vais la quête. Oui, c'est qui c'est? Bah écoutez, il y a un policier à terre, mais l'autre. Karim, il s'est passé quoi avec le flic? Il s'est fait renverser par une voiture. Je sais pas, il y a une voiture à toute vitesse là. Ah ouais, je sais pas. Voiture qui est passée à toute vitesse. Et dis-moi Karim, Karim il vient de se faire tabasser. Faites pas genre. Quoi? Ambulance, wesh. Quoi? Allez, je suis pas né de la dernière pluie, hein. Arrêtez 2 minutes, hein. Attends. Comment ça c'est nous là? Putain, c'est chaud. Mais tu fais quoi, Dick? Qui nous dit que c'est pas toi? Attends. M'a tabassé. Oui, vas-y, oui. Qui nous dit que c'est pas toi là? Avec tes cheveux là, ta tête de Satan là. Aidez-moi. Ouais, je vous inquiétez pas. Aidez-le. Est-ce que vous pouvez me raconter ce qui s'est passé exactement? Fait, c'est la dame là aux cheveux rouges, elle m'a déglingué, elle m'a tabassé. Alors, ça, c'est vrai, ça, je vous avoue que c'est vrai. Maintenant, je vais vous raconter tout ce qui vient de se passer. Elle l'a déglingué, hein? Ouais, elle m'a déglingué. Voilà, elle m'a déglingué. Attends, pourquoi t'as fait ça, Jade? Elle m'a déglingué. Elle m'a tamponné au calme. Non, mais attendez, moi, je vais raconter toute l'histoire au calme, vous inquiétez elle pas. Elle m'a déglingué. Je vais vous bizarre, la raconter au calme, moi, l'histoire. Madame, la police, ils viennent quand? Parce que y a quelqu'un qui s'est fait faucher, un agent, il s'est fait faucher. Et là, elle a tabassé mon collègue. Attends, elle a vu juste un rendez-vous. Éloignez-vous, s'il vous plaît. Éloignez-vous. Un peu plus loin. Éloigne-toi, laisse-le respirer. Cette personne. Tu l'étouffes avec tes dragons. Doucement. T'as quoi, toi? T'as quoi, Toulon? T'as quoi, Toulon? Qu'est-ce que tu veux la même chose? Ah ouais? Ah, tu veux te taper avec moi là? Donc, tu veux jouer à ça? Ah, ça va. Attends, beaucoup mieux. Je vais voir le policier. Merci beaucoup. Hein. Ok, vas-y, alors, va voir le policier. Viens avec moi. Merci beaucoup, madame. Faut que je règle aussi une histoire avec l'agent Hawk parce qu'on était en plein constat. On allait partir en commissariat et puis en fait, il s'est fait poser par une voiture. Vous vous êtes pris un coup sur la tête, c'est ça? Vous voulez que je vous donne un peu de glace? Ouais, s'il vous plaît, ouais. Ok, venez avec moi. Wow! Laissez-nous faire notre boulot, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Oh, Dieu, non, c'est les vacances. Désolé, il m'a attaqué. Je me suis défendu, excusez-moi. Putain, quelle ville de fou. Monsieur, venez avec moi, s'il vous plaît. Alors, bon, je vous donne cette poche-là. Bon, faites attention. Il a bien la garder dans le tissu, sinon vous allez vous voler la peau. Ça marche, merci beaucoup. Vous appelez comment, vous, déjà, madame? Liz. Mais Liz, tu te rappelles pas de moi? T'es ma meuf. Attends, mais tu m'as appelé, mais t'étais... Mais ouais. Mais t'étais par terre. Mais attends, mais t'es ma... Quoi? Quoi? Non, mais en fait, je t'avais appelé à la base pour le flic, mieux, et entre-temps, je me suis fait déglinguer par Jade. Elle m'a fracassé. Ah oui, ok. Ça va quoi, Liz? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Bah... Ouais, c'est... Voilà, t'es ma meuf sûre, toi. Dick, faudra qu'on se capte, Liz. Ouais, Dick, allez, oui, venez oui, avec moi. Oui. Je crois que c'est un coup monté, hein. Voilà, je sais pas, frère, mais Jade... C'était toi, là, à mon avis, hein. Quoi? Je crois que c'était toi hein, qui étais visé à mon avis. Hein. Bah, j'ai l'impression. Ouais, c'est un coup monté ça. Hein. Ouais, je pense c'est que c'est un coup quoi, les gars, j'étais pas là. Tentative d'assassinat, Jade, sur ma personne. Hein. Sur ta personne? Ouais. Moi, tentative d'assassinat? Non, ça s'appelle une bonne branlée à l'ancienne. Non, je parle de la voiture. Deux, trois patates, mon gars, je parle de la voiture. Tu vois, Dick, tu pars tout seul sans prévenir, quoi. On t'a protégé. Je parle de la voiture. Moi, je parle pas des patates. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais comment tu veux que. Mais je connais personne dans cette. T'étais au téléphone? T'étais au téléphone juste avant que la voiture arrive. Eh, mais tu mens comme tu respires, toi. On va s'expliquer avec l'agent.
et puis on verra de toute façon. Ouais, on va s'expliquer, je vais m'expliquer avec toi aussi. On s'expliquera aussi par rapport à la baston que je mets dans le coma. Ah non, mais pardon. J'ai eu un petit problème de téléphone. Ouais, mais là c'est pas bon monsieur, là c'est pas bien, c'est pas bon ce que vous faites. Calmez-vous monsieur, ça va aller. Il est énervé. Je vais avoir ça avec monsieur l'agent. Un petit soin, tu te l'iprennes monsieur. Je sais pas si vous le méritez du coup. Ça valait le coup de faire des poèmes, je peux le dire. T'appelles les filles, c'est pas très... C'est pas très bien. On va dire que c'était... C'est bon, arrête de faire la meuf. T'appelles les filles, sérieuse là. Moi je fais la meuf. Mais arrête s'il te plaît, baltringue là. Ferme là wesh. Sérieuse là. Moi baltringue. Ouais, je t'ai lu un poème, s'il te plaît. J'ai jamais fait ça à une meuf, c'est la première fois que ça m'arrive. Un poème, t'as surtout. Attends, tu peux faire le mec avec des grosses coronesses, hein, mon gars. Tes couilles, elles se sont envolées là. Dès qu'il a parlé de voiture volée, que t'étais devant moi. Écoute. Je croyais, je me suis dit, tiens, il va quand même prendre ma défense, il va quand même dire. J'ai jamais dit que j'avais des grosses zéro couilles. Zéro couille. J'ai juste dit. Malheureusement, ça sert à quoi d'avoir une grosse bite, c'est pour pas avoir de couilles. Ferme ta gueule. Voilà. Eh, parle autrement. Voilà, j'ai pas envie de te boxer, moi je suis un vrai bonhomme, je boxe pas les femmes. T'es sérieuse là? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, il y a deux jours tu m'as boxé, tu m'as mis KO alors. Hop là! Et ça, c'est un boops pour moi et le deuxième aussi. Eh, mais je vais t'en mettre une autre, hein, et je vais te démonter, arrête-toi de suite! Oh, c'est bon, monsieur, on s'explique. Dispute de couple. Calmez-vous. Dispute conjugale. Monsieur. Elle m'a tapé. Venez avec moi. Elle m'a trop chauffé. On va voir le monsieur l'agent, je vais m'occuper de la fille. Venez avec moi. Venez avec moi. Vous pouvez me soigner s'il vous plaît comme ça, monsieur. Elle m'a tapé. Je sais pas si vous savez. Je vais voir monsieur l'agent. Non, mais soignez-moi déjà. Allez voir monsieur l'agent, je vais la soigner la madame. Allez. Liz. Ça comme ça. Ma meuf sûre. Non, s'il a pas de. Monsieur Prio. Elle m'a tapé encore. J'ai encore tapé, frère. Ah, j'ai une côte cassée. Monsieur Prio, venez 2 secondes. Venez 2 secondes s'il vous plaît. Mais j'ai une côte cassée. Enfin, soignez-le d'abord, s'il vous plaît. Voilà, elle m'a dégoûté. Une côte cassée, je peux rien faire. Hein. Restez ici, monsieur Apriot. Hein. Incroyable. Elle m'a encore agressé. Elle est malade, cette femme. Elle t'a agressé, pourquoi? Qu'est-ce que tu lui as fait? Mais absolument rien. C'est ça, la question. Je lui ai dit, est-ce que c'est toi qui as appelé est-ce que c'est toi qui a fauché l'agent? Ok, elle m'a dit, non, moi, je connais personne. Je dis, bah, comme par hasard, quand t'arrives en ville, il y a un bordel pas possible. Elle aime une droite. Elle me fait, ferme ta gueule, t'as pas de couilles, je sais pas quoi. Je dis, quoi? Moi, j'ai pas de couilles. J'ai peut-être pas de couilles, mais j'ai une grosse tab. Elle a pas aimé. Ok, très bien. Ouais. Je vois. Et du doigt, t'as tapé, je suppose que tu l'as retapé. Légitime défense. J'étais comme ça, j'ai esquivé, bam, je lui ai mis une droite. Au calme. J'ai dû esquiver. Ouais, mais c'est une femme quand même. Et alors? Fais gaffe à ce que tu fais. Eh, égalité des sexes. Elle était roulou, elle te tape. Vous avez voulu l'égalité des sexes? Vous avez voulu l'égalité des sexes? Moi j'ai rien voulu du tout. Ah, toi tu veux quoi toi? Toi tu veux quoi toi? Quoi? Je veux rien du tout, calme-toi déjà. Ah, t'es pas meuf? Ouais. Tu sais comment il était habillé le gars là? Non. Tu sais comment il était habillé dans la voiture sportive? Non. Karim. Oh. Karim. Non. Il n'y avait pas les vitres teintées sur la voiture? Vous avez dû rien voir hein. Non. Qu'est-ce qu'on fait? On l'emmène à l'hôpital? Je pense que c'est mieux d'emmener l'agent à l'hôpital quand même, parce que vu qu'il s'est fait quand même tamponné par la voiture. Bah moi, il faut aller faire des radios. Et moi, deux fois dans le coma, faudra faire aussi des radios de mon cerveau parce que je crois que ça va pas du tout en ce moment. Oh, je calte, ça va ou quoi, mon gars? Ça va et toi? Eh, viens voir, je te montre un truc, oui. J'ai vu un truc de ouf. Venez, monsieur. C'est à qui la voiture là? L'Espidi, c'est la mienne. Restez là, parce que s'il y a conflit entre vous deux. Ça va, Hawk? Dick? A priori. Ouais. Tu vas devoir venir au commissariat aussi juste après ma radio pour t'expliquer, d'accord? Ok, je te suis. Parce que la demoiselle va porter plainte. Hein, porter plainte? Là, je vais à l'hôpital. La blague. Donc... Oui. Elle m'a agressé, elle va porter plainte. Bah, la blague. On verra ça après. Pour le moment, juste, je vais à l'hôpital. Le plus important, c'est de voir si tout va bien. Ça marche. Monsieur, je vous suis. Hein. Oui, je vais venir ici. Je vais juste le verrouiller et je monte dans votre ambulance. Tu m'envoies un message, Hawk? On attend Ouais, je t'envoie un message pour te rendre au commissariat dès que j'ai fini. Vas-y, ça marche. On attend ma responsable à venir avec vous. Hawk, moi je le repasse pas. Hein. Je l'ai passé. Non, il m'a enlevé pour rien, il n'y avait pas de plainte. Hawk, il y avait on en reparle. Écoute, va te soigner. Va te soigner. Non, monsieur, que ça va te soigner. On en reparle après. Ouais, et n'oublie pas. Hawk, je peux te parler un peu en privé ou pas? Eh, Max, la voiture là, c'est Eminem qui la conduisait? Je sais pas, j'étais pas là. Mais attends, mais... Tu penses c'est lui? Mais frère, la voiture, elle arrivait à une vitesse. J'ai jamais vu ça. Enfin, j'étais pas là, mais je crois que c'était assez vite, non? Mais tu crois que c'est qui était au volant? Je sais pas, Karim, il a dit que c'était un mec avec des lunettes et tout, je sais pas trop quoi. Bah donc c'est Eminem, c'est Curtis. C'est Curtis. Attends, mais Jade, elle est dans le coma ou quoi, là? Je sais pas, on peut pas le balancer, quand même. Il lui arrive quoi? Problème de vision, et c'est à cause de vous, monsieur. Merde, j'entends le chétan là. Jade, tu m'entends? Bébé, tu m'entends? Monsieur, je suis en enfer, c'est ça? Est-ce que je suis en enfer? Est-ce que je suis morte? Parce que j'entends le démon là. Monsieur, laissez-la tranquille. Mais c'est ma meuf, tranquille. Une petite sieste, elle revient. C'est ma meuf, tranquille.
C'est l'enfer, c'est ça, je suis en enfer, les gars, je suis morte, t'inquiète, ça va bien se passer. Toi, donc, Curtis, tu voulais porter plainte contre moi? On m'a dit que c'était toi qui conduisais la voiture rouge, c'est vrai? Ah non, du tout, non, je suis en moto, moi. T'es sûr? Ah, je suis en moto, frère. Peut-être que c'était toi. Ah non, gros, je suis en moto, je vais arriver en moto. Fais gaffe, hein, s'il dit que c'est toi, après... Qui a dit que c'était moi? Dick, je pense que c'est toi. Les frères. Oh, Dick, viens ici, là. Qu'est-ce que tu racontes, toi, Max? Qu'est-ce que tu racontes que je conduis une voiture rouge, frère? Je viens d'arriver en moto trottinette. Mais c'est Max, il raconte de la merde. J'ai demandé qui c'était. Ouais, pas de la merde, là, deux minutes. Mais j'ai demandé si c'était Curtis. J'ai pas dit que c'était lui. J'ai dit, est-ce que c'était lui? J'ai pas dit c'était lui. Non, c'était pas Curtis. Ah, bah voilà. J'étais avec Karim, frère. J'étais à la pêche, mon gars. Qu'est-ce que tu veux que je conduise une voiture rouge? Tranquille. Eh, pourquoi tu fous la merde, toi? C'était pas Curtis. T'es sérieux, là? Toi, tu comprends tout de travers, voilà. Dick, porte quoi, lui? Ouais. J'accuse pas, hein. La personne? Ouais. La personne qui avait une voiture rouge, elle avait des lunettes, des cheveux en l'air, elle avait une gabardine blanche. Bah ouais, mais j'en sais rien, moi, c'est qui? Eh ouais, mon pote. Mais c'est qui? Eh ouais, une gabardine blanche, avec des cheveux en l'air. Je sais pas, c'est qui? Ah, c'est lui. Fils de pute, là. Mais il est malade, lui. Bah, franchement, si on le retrouve, dites-le-moi. Ouais, t'inquiète, on va... C'est pas moi. Faire ça aux flics et tout. C'est normal pour Hawk, parce qu'il faut témoigner quand même. Madame Elle fait quoi, elle? Oui. Madame? C'est le LSPD? Ok. Je vous le dis tout de suite, madame, vous allez faire demi-tour tout de suite, bande de sales chiens, et puis vous allez récupérer ma motobillette que vous venez de taper. Je crois qu'elle a des soucis. Hein. J'en ai rien à foutre, tu m'as poussé. Madame. Wow. Madame, non. Madame. Je veux pas te frapper. Wow. Voilà. Attends, désolé Curtis, excuse Curtis. Ouais, c'est bon, c'est bon. Attends, mais pourquoi tu m'as tapé? Je voulais pas te frapper, putain. Venez, voilà, Joker, la prochaine fois. On se casse, je suis pas Batman, moi, doucement. On se casse. Max, monte. Curtis, monte. Ouais, j'ai ma moto, c'est bon, vas-y, je te suis. Eh, c'est vraiment lui, ce fils de pute qui a déglingué Hawk? Hein? C'est vraiment lui, ce fils de pute qui a déglingué Hawk? Mais il est malade ou quoi? C'est Max. Mais il est malade. C'est Max. Comment ça, c'est Max? C'est Max. C'est pas moi. C'est Max. Max, c'est toi qui as déglingué? Pas moi, Max. C'est ouf. Jure sur le temps entre nous. Moi, j'étais pas là, j'étais en train d'acheter à boire. Jure sur la Torah. Ah. Sur la. Voilà. C'est Max. La taureau. C'est toi. C'est lui. Mais t'es malade. Mais tu es déglingué. Sur la tarot. Mais Max, tu veux quitter la ville ou quoi? La tarot, c'est pas moi. Tu veux quitter la ville ou quoi? Mais il est malade. Et plus jamais tu fais des trucs comme ça. C'était pas moi. Ferme-la, wesh. Quel mec, c'est pas moi. T'as même pas voulu me croire. Ah ah. Là, c'est qui, là? Ah, j'ai dégommé personne, hein. Problème de vision, les gars. Ah ouais, t'es sûr? Bah oui. Eh, Hawk, attends, il est à l'hôpital. Putain, les mecs, hein. Pas solidaire. Ouais, là, il est à l'hôpital, Hawk. Non, mais il faut qu'on rectifie ça, t'inquiète, Max. Mais pourquoi t'as fait ça, Max? Bah, c'était un accident. Comment ça, un accident? T'es venu Mais t'es venu à 250 km/h. On voyait même pas ta voiture. On voyait juste les phares. Tranquille, personne n'a rien vu. Vous deux qui bah, ça... ils ont rien vu, mais ils ont bien senti. Eh, t'as failli me buter en plus, sale chien, t'es sérieux? Mais est-ce que t'es mort? Frère! Pourquoi? J'ai mon cerveau, il a sauté! C'est pire que mourir! T'es encore parmi nous, t'inquiète. Ouais. Ah ouais, bah je m'inquiète, hein. Allez, je te paierai un café si tu veux un jour. On l'attend ici, on l'attend ici. Attends, je vais appeler Jade, voir qu'est-ce qu'elle devient, elle. Cette pute. Je rigole. La personne au poste 2. Ah, elle a quitté la ville, je crois. Putain, elle a eu son vol. Vas-y, on va voir si Hawk il est là. Dis-moi, tu vas chercher Curtis à la fête foraine ou pas? Comment je peux vous aider, messieurs? J'attends en fait l'agent Hawk. Voilà, mais en fait, j'aimerais bien passer en fait ma vie. Envoie la position à Max. Le numéro à Max ou pas? PPA. Pardon, venez. Monsieur, s'il vous plaît, baissez d'un ton. Ça va, Elise, excuse-nous. Toi, depuis que je t'ai tapé la dernière fois, t'as changé, hein, Elise. Hein. Voilà, t'as changé, hein. Elle m'a chippé. Elle est sérieuse? Ouais, t'as fait. T'as fait ça? Alors. Du coup, je vais passer ma visite médicale en fait pour le PPA. Ah, c'est pas moi qui m'en charge, moi je suis qu'un simple ambulancier. Ah merde, c'est qui? Bon, je l'ai fait à la radio. Bref. Elle parle trop fort, Lise, je vais la dégommer, je crois. Ouais, bah bougez pas, je vais faire la radio. Monsieur, par contre, ici c'est réservé au personnel. Ah, bah pourquoi? Venez. Y'a quoi de spécial ici? Là-bas au bout, c'est les vestiaires et ah ouais côté droit, il y a des archives. Monsieur. Non, ça va, je vous demander de faire demi-tour. On peut plus rigoler ici, hein, c'est incroyable. Bon, il est où, Hawk? Il est en consultation, je crois, il est là. On attend qu'il sorte. Et toi, t'arrives quoi là? Comment ça, il m'arrive quoi? Qu'est-ce qui se passe là? T'es là comme ça, posé au calme? Bah, j'attends. Hey, Jade, c'est rien, frère! Ouais, mais frère. C'est rien! Mais frère, c'est qu'une pute parmi tant d'autres, frère! Ouais, mais tu sais, c'est rien! Viens, Karim, je t'explique. Toi, tu connais pas l'histoire avec Jade en fait?
Ah, c'est quoi l'histoire avec Jade? Bah en fait, tu sais, quand je vous ai laissé dans, en plan au resto de rock'n'roll, là, restaurant japonais rock'n'roll, bah en fait, je suis parti avec elle en voiture, on s'est posé à côté de la plage. Et je lui ai dit, tu veux conduire ma voiture? Elle m'a dit oui. Elle s'est mise au volant, et en fait, là, j'ai contacté Hawk. Je lui ai dit, ouais, je suis à bord d'une voiture volée, c'est Jade qui l'a volée, viens vite, on va se poser à la plage. Hawk, il est venu, il a dit, madame, sortez du véhicule. Elle a dit, quoi? Elle a dit, ouais, vous êtes au volant d'une voiture volée. Elle m'a regardé, elle m'a dit, espèce de fils de chien, va. Je dis, ben, je dis, quand tu... Elle a dit, oui, mais c'est vous, que, c'est, on a décidé de se poser. Je dis, attends, quand tu dis on, c'est pas on, hein, c'est toi. Moi, j'ai rien à voir là-dedans, tu vois. Elle a commencé à me menacer et tout. Je dis, bah ouais, fallait pas voler la voiture, ça se fait hop, tu vois, Jade. C'est comme ça qu'elle a commencé à m'embrouiller, tu vois. Ah oui. Mais moi. C'est normal. Bah ouais, mais moi, tu vois, c'est une manière de séduction, tu vois. J'ai voulu la séduire comme ça, en faisant le beau gosse et tout, tu vois. Mais je sais pas si ça a bien fonctionné, en fait. Je sais pas trop. Non, je crois pas. Mais je pense que c'est mieux de faire ça que de dire, ouais, t'es belle comme une pute. Ça fonctionne moins que de dire que t'es belle comme une pute. Non, je pense qu'elle aurait préféré que t'es belle comme une pute. Hein. Tu Alors penses là, je te le dis. Ok, attends, je vais l'appeler, je vais lui demander. Et on voit un message qui lui dit. Non, je l'appelle, je l'appelle. La personne au poste. Putain, son avion n'est toujours pas arrivé, ça me dégoûte. Ça me casse les couilles en vérité. Bah, du coup, en fait, là en plus, tu sais, elle m'a tabassé, je l'ai retabassé, et c'est elle qui va porter plainte. T'as goumé, hein. Parce que je lui tue ses boobs. T'as goumé sa mère. J'ai fait. Ça, c'est mon boobs. Ça, c'est mon boobs. Elle a pas aimé quand j'ai fait ça. T'as fait ce que je t'ai dit au moins? Le coup de la truite? Tu me l'as pas expliqué, ça, frère. Le coup de la truite. Ah, mais demande à Karim. Karim, il sait. Karim, il pêche toutes les meufs avec ça maintenant. Karim, c'est quoi le coup de la truite? La truite. Ah, attends, c'est un truc sale, frère, mais il y a que lui qui peut te l'expliquer. Ah, c'est un truc sale. Non, t'es meilleur que moi, frère. Non, t'es meilleur, toi. Vas-y. Toi, t'es meilleur. Non, vas-y, explique-lui. Toi, t'es le meilleur. Explique-lui. Toi, t'es le meilleur. Explique-lui. Toi, t'es le meilleur. Explique-lui. C'est quoi le coup de la truite, là? Karim, vas-y. Bon, écoute, est-ce que t'as de l'argent? Il l'a inventé ou Karim? Non, j'ai pas d'argent, frère, c'est mort. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il t'a besoin d'argent au début. Parce qu'il faut acheter de la cristalline. Ah. De l'eau, okay. De l'eau, tu vois. Ouais. Une truite, ça remonte le courant. D'accord. Une truite, c'est quelque chose qui remonte le courant. Donc tu achètes de l'eau, tu la fais boire, tu vois. Mm-hmm. Et après, tu la fais pisser, mon frère. D'accord. Une fois que tu l'as fait pisser, tu fais brrr, dans son pipi, tu vois. Et après, ça remonte le courant. Et c'est tranquille, ok. T'as compris? Hello. Ouais, Hawk, ça va ou quoi? Tu vas mieux? Ça va mieux, je viens de terminer mes radios. Vas-y, je suis en bas de l'hôpital là, on t'attend en bas là. Y'a pas de soucis, j'arrive. Vas-y, regarde tout de suite. La moto du mec, elle tient. Y'a Hawk qui arrive là, y'a Hawk qui descend. Ok. Alors lui, je l'attends de pied ferme. Lui, il a un terrain dédommagé pour ce qu'il m'a fait, cet enculé. Pourquoi? Il s'est passé quoi? Bah gros, l'autre tout à l'heure, il part de la fête foraine, il rentre dans ma moto, puis il se casse. J'arrive plus à relever ma moto, elle est cassée. Ah ouais, moi aussi ça m'arrive souvent ça, c'est la merde. Bah oui, c'est la merde. Plage, donc je sais pas, essayer de le rappeler. Par contre, c'est à vous le véhicule là? Ah non, non, c'est pas non. Dick? Ouais, Max, il a eu le véhicule. Ouais, il a pris son avion, ouais. Il a été forcé à quitter la ville, hein. Ah c'est merde, ce que je veux dire. Ah! Qui c'est qui Il est retourné en Israël. Ah, okay. Il est parti définitivement. Ah ouais. Et Minègre, pour faire du thé à la menthe, ça tient toujours, tu te rappelles la dernière fois? On n'avait pas encore fait si la formation. Si vous avez de quoi, si vous... Bah écoute, ouais, si tu veux... Parce que de toute façon, voilà, moi je t'explique. Merci, moi je t'explique, frère. Tu touches pas à ma sœur. Tu touches pas à ma sœur. Mais je m'en bats les couilles de ta sœur. Tu touches pas à ma sœur. Ouais. Tu touches pas à ma sœur. Ouais. Hein, on est d'accord? Ouais, on est d'accord, ouais. Mais ta sœur, c'est qui en fait? Je sais pas, j'en ai pas. Ah ok, d'accord, très bien. Non mais t'inquiète pas, je toucherai jamais à ta sœur, hein, je m'en bats les couilles. Moi je veux juste le thé à la menthe, tout ça quoi. Juste avant que tu partes, Karim, je peux te parler. Ouais, bien sûr. Ok, il est encore là, il est dans la ville ou pas? C'est qui lui, Karim? Même pas tu me le présentes? Ouais, je crois, oui. C'est qui lui là? Attends, je vais te le présenter, t'inquiète. Vas-y, attends deux minutes. Vas-y, viens. C'est PNL, non? Attends, reste là. Reste là. Pourquoi tu cours? Reste là. N'aie pas peur. Je sais pas si lui il peut rester avec nous. Non. Mais t'es il va pas rester avec nous. C'est confidentiel. T'es sérieux là? Ouais, c'est mon frère. Couche-toi, sale chien. Couche-toi. Karim, c'est mon frère. C'est confidentiel. Si tu connais Karim, c'est que tu connais moi. Scott. Attends, mais là tu parles à PNL, frère. T'es sérieux là? J'ai déjà entendu parler de toi, mais en mal. On m'a dit que t'es une poucave et tout. Moi je suis une poucave, moi. Arrête. Moi je suis une poucave, moi. Qui t'a dit ça, wesh? Pourquoi? Ah, j'ai pas fait exprès. Pourquoi t'as fait ça? J'ai pas fait exprès. Karim, ça va ou quoi? J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès, Karim. Ça m'a fait mal. Pardon Karim, voilà, j'ai pas fait exprès. Comment ça je suis une poucave? Tu vois, c'est ça le problème. Comment ça je suis une poucave? Comment tu fais confiance quand tu tapes ton propre Comment ça je suis une poucave? Avec ta tête de Mexicano? T'es sérieux là? T'as un problème? Bien sûr j'ai un problème là. Voilà, Trump il va remettre le mur. Non, on va pas se battre. Vas-y. Ami. Ouais bah check moi là. Check moi wesh. Check. Ah vous savez pas dire salam alaikum au Mexique ou quoi? Je te fais un petit bisou. What the fuck? Attends. Mon gars sûr. Attends. Ok c'est bon. Pardon Karim, je suis désolé hein.
C'est pas grave, t'inquiète. Pardon, Habibi. Karim, au pire, passe-moi ton numéro et je t'appellerai. Mais c'est qui lui, Karim? Tu t'appelles vas-y, comment vas-y. T'appelles comment, toi? T'inquiète. Solotech. Solotech, ouais. On m'a appelé comme ça. Ada, je l'ai démonté. Si tu vois ce que je veux dire. Monté, démonté. Je l'ai démonté. Ouais, tu m'as démonté. Ouais. Ah, bah, un peu quand même, hein. Dick? Ouais. T'as vu ce que c'était, ça? Wesh. Wesh. Dick, est-ce que t'as vu ça? Les sucettes! Oh la vache! Ça, c'est mon chibre! La vache! Ah, c'est mon chibre! La vache! Oh ah, oui, ouais, mais ça, ça existe, ça? Bah, voilà, celle qui se prend ça, chapeau! Oh là, il a chapeau! Ah, mais ouais, oh, qu'il chapeau. Est où là? Oh, voilà, qu'il est où? Bon, vas-y, dis-moi ton numéro. Attends, je te le dis. Ah, vous êtes bien sur la messagerie de Brian Hook. Bon, au pire, quand il part, je t'explique. 213. C'est bizarre, oh là, il répond pas. 37. La 18. Personne au poste. Voilà, c'est tout pour moi. Eh, hey, mais c'est bizarre, hein. Hook répond pas, Jade répond pas, y'a personne okay. qui répond. Je crois qu'on va faire du thé à la menthe, hein. Curtis. Vas-y. Tu nous mets sur les bails, frère. Dis-moi c'est quoi les bails, dis-moi c'est quoi les bails, dis-moi c'est quoi. Tu nous mets sur les bails, hein. Moi je veux bien, frère. Moi okay, je veux bien, marche. Mais y'a trois conditions. Vas-y. Une arme à match qu'une radio, frère. Sinon ça pourra jamais marcher. Jamais, on va se faire serrer, frère, comme des trucs. En plus, y'a les nouvelles règles qui sont sorties, enfin les nouvelles règles de loi de la police, là. C'est tarif, hein, frère, si on se fait niquer. Hein. Bah au pire, tu te mettras sur une radio avec Karim, tu vois. Ouais, non, mais moi, y a pas de souci, hein. C'est le truc, c'est qu'au moins, il y a une communication entre deux personnes, tu vois. Y a téléphone, au pire. C'est la seule chose. SMS. Ouais, mais le téléphone, frère, c'est soit t'as le téléphone et tu peux pas tirer, tu vois ce que je veux dire? Ah, ouais, je vois ce que je veux dire. Mais du coup, ok, et la deuxième condition, c'est quoi? Ah, c'est ça, c'est le masque, frère. Ouais, le masque, j'en ai, t'inquiète. J'ai lunettes, masque et tout. Tu peux récolter, c'est bon? Ouais, c'est bon, ouais, j'ai fait la formation et tout. Ok, là, y'aura pas de soucis, tu vois. Parce que ce qui s'est passé la dernière fois, tu vois, ce qui m'avait vénère, tu vois, c'est que moi, ça fait un test travail là-dedans. Ça va, toi? Vois, j'étais... Ouais, mais range ça, ouais, je range ça. Tu m'as reconnu? Ah, merde. Range ça, bah, frère, on voit tes cheveux, gros. Ah ok. Ah, oh, ça se tape. Ah ça. Laisse-les. Attends, je défends mon frère. Attends, je défends mon. Wesh, Karim. Non, t'inquiète, c'est rien. T'inquiète, c'est rien. Ça va? C'est sous contrôle. Ça se passe? C'est sous contrôle. Ouais, ça va bien. Sous contrôle là. Excuse-moi. Non, ouais, c'est bon, c'était juste pour le défi. Bon Karim, on bouge avec Curtis là, c'est bon. OK. D'accord. Vas-y. Faut qu'on prenne un véhicule. Vas-y, ton numéro, on se tient au courant. Vas-y, je t'appelle. Eh, on va récupérer nos motos, là. Bah ouais, mais pour le coup, la mienne, frère, ça va être dur. Attends, mais. Bah tu vas la récupérer. Est-ce qu'il y a des flics dans la ville? Au parking, là, tranquille. Est-ce qu'il y a des flics dans la ville? Ouais, y'en a. Bah ouais, y'a Hawk, y'a KD28, je crois. Non, mais Hawk, il répond pas, là. Hawk, il répond plus. Après, les gars, voilà, tu vois, c'est tentant, mais c'est risqué, hein, parce que sinon, je fais gauler. C'est pas grave. Moi, je pense. Bah si c'est grave. Gros si, risque, grave. Grosse récompense, bébé. Y'a rien sans rien dans la vie. Ouais mais si tu te fais niquer, c'est la fédérale, mon gars. C'est pas grave, je m'en bats les couilles. T'es sérieux là? C'est la fédérale. Bah, ouais. Ça veut dire quoi? Bah... Vas-y, dis, explique. La fédérale, c'est-à-dire c'est prison à perpétuité. Que? On te reverra plus, tu vois. Au bout d'un certain temps, si tu te fais niquer, oui. Non mais ça va, nous on s'est jamais fait niquer, nous. La weed, on connaît pas, tu vois. On s'est jamais fait attraper. On s'est fait attraper pour d'autres choses. Ouais. Mais pas la weed. Mais justement, tu vois, si le casier est déjà plein, passe-moi et quand tu te rajoutes ça, tu vas te prendre la fédérale. On connaît. Passe-moi de l'eau. Hein? Rouya, je vais tomber dans les pommes. Ok. On connaît des flics. Y'a pas de soucis par rapport à ça, t'inquiète, bébé. Merci, Rouya. On a Hawk dans la poche, on a John, on a Brown, j'ai le capitaine. T'inquiète pas, Rouya. On a le bras long comme ça, mon pote. Ok. Non, sur de ouf, toi tu l'as, moi je l'ai pas. Hein. Ouais, enfin moi. Moi je m'en bats les couilles. Ouais, moi j'ai. Bah toi t'as Nikolai, moi j'ai sur de ouf. Le capitaine aussi qui m'a à la bonne. J'ai le capitaine, j'ai Nikolai aussi. De toute façon, Nikolai, tout le monde là, lui frère. Ouais. C'est une prostituée. C'est une timpe. Bon, les gars, on y va ou quoi? Je crois qu'ils ont du mal, hein. L'aéroport en ce moment il est bouché là. Je crois que les gens ils arrivent pas à atterrir. Hein. On va récupérer nos motos, les gars, et on bouge un peu. Vas-y, ok. Dick. Je viens de voir avec ton frère. Là, pour l'instant, on va te donner qu'il y a pas mal de flics. Le bail le plus simple, ça serait plutôt de braquer, justement. Braquer? D'attendre. Oui, de braquer. Parce que le truc, c'est que regarde, tous les points de vente, je les connais. On trouve le point de vente. On se met à proximité sur un toit. On reste en communication, tu vois, de tout ce qu'on voit. Vas-y. Et les autres font le taf pour nous. Si jamais on se fait passer par les flics, on n'a rien sur nous, frère. Ouais, mais on n'a rien. On a juste un masque. Et puis voilà, on dit qu'on joue à cache-cache, oui. Ouais, mais juste un détail. Il a pas d'arme et j'ai pas d'arme. Alors pour braquer, je braque à quoi? Avec mon sgeg? Alors ça, c'est moi qui le fais, c'est. D'accord. Mais du coup, toi, t'as ce qu'il faut? J'en ai une. J'en ai une. Ok, ça marche, pas de soucis. Ouais, mais après, pour le partage, on fait comment? Après, voilà, ça, on divisera, tu vois, on divisera en fonction de ce qu'il y a. Ça, y a pas de souci. Ok. Non, mais c'est bon. Mais voilà, à la limite, voilà, vous couvrez, tu vois, genre, moi, pendant que l'autre, je fous la pression, vous regardez s'il a pas des potes à lui qui arrivent ou des trucs comme ça, tu vois. Vas-y, ça marche. Et après, on partage, tu vois. Ouais, c'est sûr. On peut pas être tout seul. Hein. Ok, ça marche. D'accord. Vas-y. On n'a pas d'argent. C'est voiture, les gars. Voiture. Non, mais... Et si jamais les flics vous servent. Voiture rapide. C'est ok, des voitures rapides. Attends, une voiture là. Arrête-toi, sale bâtard! C'est bon! J'ai acheté une voiture! Ah ouais, tu l'as acheté combien? Pas cher! T'as réfléchi magasin à quoi? Magasin de vêtements, oui. Magasin de vêtements? Au change de la vie. Putain, ça va me coûter une blinde encore cette merde!
Comment est-ce qu'on s'habille? Ah, tout en noir. Je vais me mettre arche nu, c'est beau. Pas mal. Monte, monte, je vais chercher Hawk, je vais aller chercher. Ça va, ça vit, hein. Hey, ça va ou quoi? Hawk, vas-y, monte. T'es où? Je suis là, merde, je suis derrière là. Moi. Ouais, merci. De rien, croyant. Voilà, j'ai une migraine, j'ai rien compris. Ouais, j'ai vu ça. J'ai pas niveau calme. Mais par contre, ouais. Hawk, ouais. Ils ont fait quitter la ville Max, miskin. Ouais, mais pourtant, il y a une plainte contre lui ou c'est comment? Y'a rien. Bah, disons que c'est compliqué. Si tu peux quoi. Me déposer au commissariat. Komiko, vas-y, mets-moi le point, s'il te plaît. Faudrait se renseigner au gouvernement pour voir pour lui. Mets-moi le point du Komiko. Gouvernement, quand même. Il rigole pas, quand même. Hein. Ouais. Mais pourtant, en fait, je sais pas comment ça se fait que ça arrive à leurs oreilles, tu vois. Bah oui, mais c'est parce qu'ils doivent regarder une GoPro. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ou bien, ils doivent suivre les traces dans la ville, si tu vois ce que je veux dire. Ah, ouais. Oh, c'est une voiture volée. Bon, c'était ma. C'est une voiture volée. T'es sérieux là? Je rigole, c'est une blague frère, t'es sérieux toi? Quoi, vraiment qu'on va en routine dans une voiture volée? En plus, on va aller au Komiko. N'importe quoi. On va déposer un flic au Komiko dans une voiture volée. Fait. Ça serait vraiment la meilleure. Hein. C'est grand n'importe quoi. Boule, ouais, respecte-moi le code s'il te plaît. Boule, il faut que je parle avec. Oui, c'est qui ça? Faut que je parle avec Johnson, hein, qui te remette au plus vite, d'accord? Hawk, pour Jade, là, on fait comment là? Pour Jade? Écoute-moi bien. Je vais la convoquer maintenant. Ouais, dis-moi. Je le repasse pas, frère. Il y a aucune plainte, il y a rien du tout. Il est pas dans ses droits. Sinon, j'engage un avocat. Il est pas dans ses droits, frère. Oui. Sinon, t'as vu mes bottes là? Je lui mets un coup de boutine au calme. Carré, m'arrête. Ouais, c'est Texas Ranger. Ça vient tout droit de Marrakech. Tu peux te garer convenablement, t'es sur le trottoir là. Ouais, t'es changé. Bon, je vais la convoquer, d'accord? Vas-y, salut Nicolas, ça va? J'ai changé moi. Nicolas, mon gars, sûr, Azerbi, ça va ou quoi? Salut, comment ça va? Tranquille, ça fait longtemps. Ça va, fatigué. Il s'est passé quoi là? On t'a pas vu hier, je crois. Ah, je viens de faire 24 heures de service là. Là, j'ai pas fermé de la nuit. Ok. Nicolas, je voulais te dire, y a moins que tu me fasses passer mon PPA ou pas? Je vais faire la visite médicale après avec Hawk. Non, je peux pas. Ah ouais, pourquoi? Parce que à cause de ton ami Karim là, j'ai perdu le droit de former les PPA. Non! Pourquoi? Parce que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé hier, mais apparemment Karim a perdu son PPA. Ouais, ça je suis au courant, ouais. Vu que c'est moi qui a passé son PPA, c'est moi qui m'ai fait enculer, tu vois. C'est bon. Moi. Après, j'ai envie de dire, si les officiers me donnent pas tous les renseignements comparé à Karim, je peux pas faire mon travail après. Ouais, et du coup, c'est qui est habilité maintenant à faire passer les PPA? Johnson et le lieutenant et Guy Varch. Oh putain. Ok, bon bah j'aurais jamais mon PPA. Vous êtes pas prêt d'avoir votre PPA les gars, je vous le dis. Ouaf, ça dépend. Je commence à me faire une petite place moi au sein de la police, hein. Je trouve ça va. Bah déjà que Karim, je sais même pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ait perdu son PPA. C'est rien passé frère. C'est Johnson, c'est un enculé, c'est tout ce que j'ai à dire. Bah écoute, moi il a fallu que je passe dans le bureau à cause de cette histoire donc. T'es passé sous le bureau? La personne au poste. Non, j'ai pas dit sous le bureau. Je suis pas toi, Dick. N'oublie pas. C'est vrai. Non moi, j'ai eu une discussion. Hey, Nicolas, au fait, là, la plainte là que j'avais fait contre Sourdouf, frère, t'as jamais ouvert une plainte en vérité? Faut que tu me donnes les enregistrements. Attends, je vais convoquer madame. Mais frère, t'es sérieux? On en avait parlé dans le bureau. Je t'avais tout expliqué. Tu m'as dit, j'ouvre la plainte. Exactement. Ouais, mais c'est et puis t'es considéré comme instable aux yeux de certains. Donc, non. Attends, viens. C'est fini maintenant. Pour inculper. Non, mais je pensais que t'étais un gars. Bonjour. Monsieur. Enlevez votre. C'est la récolte pour les enfants malades. C'est la récolte pour les hôpitaux. Récolte. Oh, monsieur, enlevez s'il vous plaît votre masque. Tout de suite. Oh lolo. Un bonhomme de neige noir. C'est du jamais vu. Ouais. On l'avait jamais fait celle-là. Non, mais viens avec moi. Ah ouais, ça dit même plus bonjour, toi, sale chien. Oh. La seule fois que tu me vois, c'est pour me dire t'as de l'argent. Oh. T'as de l'argent à chaque fois que tu viens me voir. T'as de l'argent. Frère, est-ce que je t'ai demandé de l'argent là? Mais ça parle mal quand même. Bah non, parce que t'as même pas ouvert ta bouche. Oh. Pour me parler, si. C'est tout. Un partout. J'ai dit je venais récolter de l'argent pour les enfants malades. Est-ce que je t'ai récolté de l'argent? C'est un sous-titre pour dire t'as de l'argent. Curtis. Ah, maintenant je te le demande. Est-ce que t'as de l'argent, Nicolas? Là j'ai de l'argent. Oui, là j'ai de l'argent. Mais j'ai pas de l'argent pour toi. Bah si t'en as, si t'en as toujours pour moi. Non. Oula, la seule personne à qui je donne c'est ma famille. C'était quoi le nom de famille Anderson. Là Jade Anderson. Ok. Mais je crois que son avion. T'inquiète, c'était sûr que c'était pas Pamela. Son avion il est bloqué. Si, attends, je l'appelle, à chaque fois je tombe sur messagerie. Non mais par contre, attends, je vais quand même la convoquer. La personne au poste. Non, c'est mort. Ferme ta bouche toi. Elle est toujours pas là. Oh, ouais, tu parles comme ça de tes collègues. Nicolas, tu voulais me parler? Ouais, je t'ai pas dit ferme ta gueule. Ouais, Dick. Oui, Karim, oui. Vas-y, je rigole avec toi, Nicolas. On doit pas aller au restaurant là après. Je rigole. Si, on va aller au restaurant, mais faut que je porte plainte contre Sourdouf là. Tu te rappelles? Moi, je l'ai pompé tout ça. T'inquiète, on va aller ramasser du thé après. Non, mais il faut que tu me donnes des enregistrements ou que t'aies des preuves très solides.
Bah... Parce que là, les hauts gradés, ils pensent que c'est du foutage de gueule complet. Non, 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 au contraire, parce que hier, justement, j'ai eu un entretien avec... Il y avait le lieutenant Adama, il y avait... J'en ai parlé aussi au capitaine Gauthier, et il m'a dit, ah ouais, il m'a dit, c'est vrai et tout. En fait, ce qui paraît, là, John Sourdouf, là, il est dans le collimateur du capitaine, parce qu'hier, il y avait le concert de Johnny. Je sais pas si t'es au courant, t'étais en service hier ? Ouais, j'étais en service, on patrouillait en ville. Ouais, bah en fait, il a picolé. Il avec a la cadette. Il a picolé putain. L'alcool et tout, et puis il s'est foutu. Attends, ça reste entre toi et moi. Ouais. Ça reste entre toi et moi. Ouais. J'ai raté mon rancard à cause que j'étais en pâte. Attends, t'avais rancard. T'en rends compte ? T'avais mon rancard. Avec qui ? J'avais un rancard. Avec qui ? Avec une date. Avec une date Tinder. Attends, mais c'est... comment elle s'appelle ? Comment elle s'appelle ? Mais c'est pas grave. Habibi, c'est pas grave. Habibi ! Habibi, c'est pas grave. Mais viens, viens, tranquille. Mais arrête ! Mais Roya, tu veux que je te dise la vérité, Nicolas ? Moi aussi, j'ai raté mon rancard là. Je te jure la vérité, j'ai raté mon rencard. Ah ouais ? Ouais. T'étais avec qui ? Avec une pute. J'ai raté mon rencard, croyez. Putain, et toi et Karim, vous êtes abonnés aux putes, hein, c'est pas possible. Bah ouais, mais bon, après, c'est. Voilà quoi, l'argent parle, hein. C'est l'argent qui parle. Bah tiens, regarde, en parlant du loup, il rentre dans le bureau sans prévenir. Eh, tu vas regarder ton 35 cm, c'est quoi là ? Non, mais Nicolas. Non, j'ai vu qu'il l'avait accroché dans la rue maintenant. Pour Sourdouf, alors. Tu veux une déposition ? Parce que ouais, j'en ai parlé au capitaine et il m'a cru le capitaine, hein. C'est juste qu'en fait, il a pas eu ah, le. Frère. Moi aussi, je suis dans le collimateur là, de la police. Quoi ? Toi ? Pourquoi ? Ah ouais. Ah non, non. J'ai eu une discussion par rapport au PPA, mais j'ai eu une discussion avec le gouvernement. Ah ! Donc, Ah ! Ah, comment tu... ça ? J'en parlerai. Toi, je voulais t'en parler d'ailleurs en discussion privée, mais tu plus vas... sur application Discord si t'as. Tu vas retourner au Canada, toi ? Pourquoi ? Tu vas repartir au Canada ? Ça, je vais retourner au Québec. Ah, parce ouais. On m'avait dit des choses que ça m'a, qui m'ont pas plu en fait. Je t'expliquerai tout ça en prix. D'accord. Le gouvernement ? Le gouvernement, ouais. T'as dit ça ? Ah ouais, le gouvernement. Ok, gouvernement. Donc, ouais. Toujours le gouvernement. Toujours. Mais ouais, si tu veux vraiment porter plainte, apporte-moi des enregistrements ou des preuves ou de l'audio. Bref, tout ce que t'avais. T'avais pas un micro sur toi ? T'avais rien, t'es sûr ? Mais bien sûr que j'avais une GoPro, j'avais un micro, j'avais tout ce que tu veux. Même bon, lui ! C'est parfait avec même lui, sa GoPro pénal, on va pouvoir les utiliser. Mais sa GoPro aussi, elle était activée, tout le monde le sait ça. Il a toujours sa GoPro d'activée. Ouais, mais. Ouais, mais pour ça, il va falloir que j'aille les autorisations du capitaine, etc. Hein. Ah ouais, non, attends, en fait, là... Il peut très bien toi, Nicolas, au début, il a des droits, lui aussi. Hein. T'étais comme ça au début, au Comico. Maintenant, t'es comme ça, frère. Oh là, t'es, ouais, bah, t'es une serpillère. Je viens de te dire que je me suis fait taper par le gouvernement. Tu crois vraiment que je vais continuer à être... Ah ouais, j'avoue, c'est chaud. Hein. Bon courage. Hein. Parce que tu traînais trop avec nous. C'est pour ça. Moi, okay. Je sais pas ce qui s'est passé, donc il faudrait que tu fasses ton tas de enquête pour savoir. Désolé. Ouais, mais tu sais comment ça va se finir si je fais mon enquête, hein. On touche pas à mes objets, hein. T'inquiète pas. Ouais. On va attendre que la demoiselle arrive pour voir arrive, son témoignage et tout ça. Est-ce que tu peux me donner son numéro ? J'ai fait une convocation, mais son nom n'apparaissait pas dans le registre. La personne... Non, mais elle est pas là, je crois. Elle reviendra pas aujourd'hui. Putain. Alors, envoie-lui un message. Demande-lui de passer au commissariat, s'il te plaît. Ok. Merci. L'agent Hawk te demande de passer au commissariat pour régler cette histoire qu'il y a eu à la fête foraine. Merci, à priori. Ok, c'est bon. Mais franchement, je sais pas, merci c'est de rien, frère. Et du coup, pour la visite médicale, Hawk, on la passe ou comment ça se passe ? On va la faire juste dans pas longtemps. Là, je vais m'occuper d'un mec. Eh, hey, bon, là, aujourd'hui, il fait une arrestation. Ah tu ouais ? Tu connais Starsky Hutch ? Ouais. Il y a un type, il est arrivé, il faisait de la drogue, tu vois. Ouais. Moi, je suis arrivé, j'ai fait bouge pas ! Attends. Il a ralenti en voiture. Il faisait de la drogue ou il faisait de la drogue ? De la drogue. C'est, tu vois, c'est de la drogue, mais encore pire. C'est sale. Bon, là, il faisait du sale, tu attends, vois. Attends, Hawk, viens, faut que je te parle. Je suis arrivé, je fais bouge pas, tu vois, comme ça. Clac, j'ai pour roulotte. Ah, été, voilà. Désolé, monsieur. Ah ouais, merci. Ouais. T'as entendu par rapport à l'histoire de Nicolas ou pas ? Nicolas. Non. Il est dans le collimateur. C'est facile, vous avez pris un truc. Il est dans le collimateur du gouvernement et du capitaine, hein. Donc je te conseille de pas trop traîner avec lui, hein. Ah mais je sais, mais c'est pour ça que gros, moi je te dis, hein. Ouais. Moi je suis pas un ripou, hein. Ouais, moi même si par exemple là, si t'es mon meilleur ami, malheureusement si je te trouve sur un point chaud, je serai obligé de t'arrêter. Bah normal. Et normal, faut pas se demander. Bah voilà, tu vois, c'est pour ça qu'il faut faire attention, quoi. Bah là, justement, là, on allait faire un peu de sale, tu vois. Et je voulais savoir s'il y avait... Ah ouais ? Ouais, mais c'est du sale halal. Je voulais savoir s'il y avait tes collègues, s'ils étaient postés en ce moment sur les points de vente ou les points de récolte, comment ça se passe ? Ouais, ils sont postés, tu vois. Il y a 5 collègues à moi sur chaque point, que ce soit tous les points, d'accord ? Les points de récolte ? Donc je crois qu'on est 48 ce soir, c'est ça. Point de récolte, point de traitement et point de vente. Donc on est 5, plus le SWAT, donc comme ça tu sais, hein. Donc allez, bonne chance, j'ai envie de dire. Nice. J'aime bien quand même un peu d'action. Hawk, j'ai pas ton numéro. Toi, t'aimes bien quand il y a de la difficulté, non ? J'adore. T'as vu comme... T'as dit quoi, Curtis ? T'as vu Jade, là, quand on était dans la voiture ? J'étais en rencard avec elle. Tiens. J'étais en train de la pécho, là. Ouais. Bah ouais, mais... Tu la ken ou pas ? Bah, je voulais, mais bon, c'était un peu compliqué, en vérité, tu vois. Désolé, j'ai que ton plan, désolé. Bah non, mais de toute façon, j'avais oublié les capotes, en vérité. Du coup, Hawk, tu me contactes pour la visite médicale après ?
Ouais, on doit la faire tous les deux. Donc il y a madame Michael Jackson là qui doit la passer, d'accord? Qui ça? Michael Jackson, l'autre là, Melis Mashmana là, je sais pas quoi. C'est qui celle-là? Voilà, qui a la même tête que lui. C'est elle a la même tête que Michael Jackson, t'as jamais remarqué? C'est une meuf? Ouais, c'est une meuf, il y a cheveux blancs. T'as son numéro? Non, c'est pas son numéro, c'est elle. Putain. Tu dis que tu viens avec moi ou pas? Ouais, bon, j'attends. Bah, j'attends qu'arrive. Je vous laisse. Ouais. Tout à l'heure, quand tu feras la visite, tu prends quand c'est ok. Vas-y, ça marche. On attend qu'arrive, Curtis. T'inquiète, je lui ai envoyé un message, il m'a dit qu'il arrivait. Viens. Vas-y, ça marche. Vas-y. Je lui ai dit où nous rejoindre. Vas-y, go. T'as un véhicule, t'as quelque chose? Il y a une moto et tout, ok. Beau gosse. Ah, ok. C'est parfait pour faire du thé à la menthe. Ah, y'a Karim. Ouais, tu faisais quoi? Tu voulais y aller sans moi? Mais non! Il t'a envoyé un message! Attends, on arrive. Karim, il s'est passé quoi avec Nicolas? Non, Nicolas, il m'a dit. Il est dégoûté. Comment ça, il est dégoûté? Parce que il est dégoûté. Apparemment, il avait pas à me donner. En fait, ça dérange qu'ils m'ont donné le permis. Curtis, c'est quoi cette histoire là? T'extorques de l'argent à Nicolas? Ah non, je lui dis, t'as pas un peu d'argent, des fois il m'en donne. Ah ouais, il est gentil lui, hein! Moi, je fais ça avec tout le monde, frère! T'es sérieux, 200 toi? $500 par-ci, $500 par-là, ça monte vite après. Ouais, donne un peu, frère. C'est la haine, ça. Ah là, ouais, moi aussi, c'est la haine, frère. J'ai acheté des motos, Vas-y, toi, c'est toujours la haine avec toi. Hein. Ah ouais, c'est la haine, frère. Pas grave, parce que du coup, d'après les informations, apparemment, il y aurait les flics à chaque point, donc... Oh, what the fuck? What the fuck? Ah, attends. What the fuck? Qui l'a, lui? Attends. Curtis? Yes. Curtis? Oh, what the fuck? Oh, putain, c'est le karma! C'est le karma! Il a pas voulu donner d'argent, ce bâtard! Oh mon dieu! T'appelles ou... Attends, j'appelle. Appelle. Voilà, t'es mort comme Jésus sur la croix, frère. Un T. On dirait pas Jésus sur la croix ou quel? Oui, bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Il y a un petit souci, j'ai un ami à moi qui conduisait un véhicule et d'un coup il a eu un spasme et il s'est éjecté du véhicule. Et en fait il est sur le bord de la route et il est en train de gossoyer quoi, il est un peu, tu vois, vous voyez, il gossoie. Curtis, ça va? Il est inconscient mais il commence un petit peu à parler, mais il est un peu inconscient quand même. Et Ménègue. Ok, il est noir, il a les cheveux blancs. Ah oui, alors en fait au niveau de sa santé, il a des petites égratignures au niveau du torse. Nicolas qui est mort. Et son genou, il saigne aussi. Je pense qu'il a dû taper. Ouais, Nicolas, ça va quoi? Ça va. Karim, il est parti? On est ensemble. En fait, on a eu un accident. Viens si tu veux. En fait, il y a Curtis, il conduisait une voiture volée et il a fait un accident. Et du coup, là, il est dans le coma. Curtis. J'arrive. Vas-y, je t'envoie un message. Curtis, exactement, tu m'entends ça. Tu m'entends, Curtis? Road. Ok, oui, à tout de suite. Ils arrivent, hein. T'inquiète pas, ça arrive. Hein. Je leur ai dit, hein, parce qu'ils m'ont dit comment il est. J'ai dit, il est noir. Il a des cheveux blancs et tout. Mais t'es con ou quoi? Il parlait de l'état de la santé du gars, pas de comment il est. Tu leur as dit qu'il avait une queue de cheval? Tu leur as dit qu'il avait une queue de cheval ou pas? Karim, viens s'il te plaît, viens. Il conduisait une voiture volée. Donc on n'a rien à voir là-dedans. Mais regarde, c'est une voiture volée. Ah non. C'est lui qui conduisait. On n'a rien à voir là-dedans. Ok? Non, nous. Nous, on était derrière, on savait pas. Il nous a dit de monter. Il nous a dit de monter. Et on savait pas que c'est une voiture volée. Et il a eu un problème, il a sauté. Ok? Il y a Nicolas qui arrive. Ok. Ouais, c'est lui, ouais. Ah, c'est encore Liz, ma meuf sûre. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, il était en train de conduire et puis il a eu un malaise. Éloignez-vous un peu. Je pense qu'il a fait une crise d'épilepsie. Il a sauté du véhicule. Je pense il a sauté du véhicule. Vous étiez avec lui dans le véhicule? Nous, on était derrière, oui. Faut que tu t'en sortes, Curtis, faut que tu t'en sortes! Pour les truites! Il va s'en sortir, Pour les truites! Ah. Ok. Voilà. C'est Hawk. Hawk, je peux te parler ou pas? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, j'ai eu un appel ici. Curtis, il a volé une voiture. Moi, Dick m'a appelé. Il a volé une voiture et nous on savait pas. Curtis, il a volé une voiture. Et il nous a dit de monter dedans. Mais moi je savais pas que c'est une voiture volée. D'accord. Et d'un coup en fait il a une crise d'épilepsie. D'accord. Il a sauté du véhicule. Donc bah voilà, il est dans la merde quoi. D'accord. Et Karim, pourquoi il vous a demandé de monter en véhicule avec lui? Bah ça je sais pas, il nous a dit ouais, je vais vous mettre sur des bails, chelou, etc. J'ai entendu point de vente. Donc je pense qu'il est, il est un peu louche, hein. Honnêtement il est un peu louche. Il m'a posé deux questions. Il m'a dit changez-vous, est-ce que vous avez des masques? C'est les questions qu'il m'a posées. Après moi je sais pas trop ce qu'il voulait qu'on fasse. Donc moi je l'ai suivi avec Karim et jusqu'à qu'il ait une crise d'épilepsie quoi. Donc après voilà, moi je suis pas enquêteur ni rien quoi. À toi de savoir ce qu'il voulait qu'on fasse quoi. Je me pose une question. Ouais. Quand il t'a dit de venir, tu savais pourquoi à la base il t'avait dit de venir avec lui ou c'est sur au moment où il a démarré qu'il t'a expliqué tout ça? Ah non, pas du tout. C'est au moment qu'on démarre, il a commencé à poser des questions. Mais tu vois, tu connais la technique de la truite.
J'ai pas compris, tu vois. Ça, apparemment, ouais. C'est une technique ancestrale pour pêcher de la meuf. Il m'a dit, ouais, les meufs, c'est comme des truites, ça remonte le courant, je sais pas quoi, Juste pour info. Ouais. Pour info. Michael Jackson, c'est elle. Elle a bien son visage. Mais wesh, mais c'est Liz, elle. C'est ma meuf. Non, c'est Liz. Ouais, c'est Michael Jackson. C'est ma meuf. Regarde son visage. Mais c'est ma meuf. Il est tout plat. Je vais faire expliquer plus ce qui s'est passé. Karim, il est parti où? Bah, apparemment, le monsieur, il m'a dit qu'il s'est cogné la tête sur son tableau de bord. D'accord. Et ses collègues m'ont dit qu'il était. Épileptique. Qu'il a eu un malaise au volant et qu'il est sorti du véhicule. Ah, j'ai pas de véhicule à moi ici, hein. Et c'est pas à vous celle-là? Non, moi j'ai cogné la tête tout à l'heure quand vous m'avez relevé, mais non, moi j'ai pas de voiture ici, les gars, hein. Je le dis. Hein. Ah bon? Et cette voiture elle est arrivée toute seule ici alors? Ah, c'est bon, je conduis pas, moi j'ai pas conduit ça, hein. J'ai ma moto, pourquoi je conduirais ça? Bah écoutez, simplement, moi ce que je sais, c'est que j'ai eu un appel ici, véhicule roulant à haute vitesse. J'arrive ici, je vois un véhicule, regardez l'état du véhicule, donc je pense que ça doit être celui-là. Et enfin, monsieur Kersi, vous êtes juste assis à côté par terre, et monsieur Aprio, vous êtes tous les deux à côté. Après, je ne vous accuse de rien. Et vous aussi, Karim. Juste que... bah, moi voilà, moi je te le dis, frère, c'est pas moi. Et vous aussi, Karim là-bas. Ah oui, et Karim, monsieur Karim qui est parti aussi. Ouais, après, on peut demander à Karim aussi. Karim. Hein. Il est là-bas, il est avec Nicolas. Bon, je sais pas, depuis tout à l'heure, il parle avec Nicolas. Oui. Pourquoi vous retournez vous donner le dos? C'est ma meuf. Quoi? C'est ma meuf. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, bon. Vous allez l'emmener à l'hôpital ou pas, monsieur Curtis? Bah, je suppose que vous allez appeler un taxi. Bah, je pense, hein, pour le coup. Bah, vu que ce véhicule ne vous appartient pas, ni à vous, ni à monsieur Aprio. Tout à fait. D'accord. Eh, hey, Liz, il y a moyen qu'on se parle. Liz. Voilà. Il n'y a pas de soucis. Bon, Liz, je dois passer faire ma visite médicale dans pas longtemps. Ouais, moi aussi, ouais. Pourquoi? Pour le PPR. Bah, pour mon dossier, vu que je l'ai pas encore eu. Ouais, Disca, tu reçois un dossier sans radio. Où ça, ton dossier? PPA. Ouais, voilà, j'ai coupé la radio. Donc, j'attends de compléter mon dossier, vu que j'ai jamais fait cette visite médicale. Et monsieur en a besoin pour son PPA. Bah, il y a une visite médicale qui doit être faite par tout le monde. C'est quoi cette blague? Ah, mais vous, depuis que vous êtes dans la police, vous l'avez pas faite? Mais non, parce qu'à chaque fois je viens, on me dit: ouais, Liz, elle est pas là, Liz, elle est jamais, elle travaille pas. Son carnet de santé, je sais pas quoi. Mais toujours, on doit nous expliquer des trucs. Moi, j'en ai marre, moi. Je vous parle. Oh, wow. C'est bon, Michael, reste tranquille. Ok, moi, je vais pas vous parler. C'est bon, je rigole, Liz, je rigole. J'ai pas été formé à faire ça. Je peux essayer de voir ce qu'il faut faire, mais j'ai pas été formé pour faire les visites médicales pour les flics. Ah, moi, écoutez, tout à l'heure, je suis tombé chez Madame Fanny, je ne sais pas quoi. Ah oui, elle m'a dit, il faut demander à Madame Liz ou à Monsieur, je sais pas quoi. Ouais, ouais, la meuf. Elle m'a passé la moitié de son numéro. Et. Voilà. Elle m'a dit 213. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a dit. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, il faut demander à Liz, qui est présent aujourd'hui, de vous faire passer la visite médicale. Et donc, c'est pour ça que je dois venir. Ah, mais peut-être qu'elle pensait que c'était pour le PPA, parce que du coup, nous... Ouais. Bah oui, c'est pour le PPA. Mais pour le PPA, mais je croyais que c'était pour... Liz, oui, mais c'est quoi cet hôpital de psychopathe? Enlève ton bonnet, voilà. Mais on est sur rien, nous. Les neurones, là, ça va pas. Oh, non, c'est bon, je vais y aller. Bon, Liz, d'ici 15-20 minutes, je vais passer à l'hôpital, d'accord? Ok. Donc, d'ici 15-20 minutes, hein. Allez, je passe après. À tout à l'heure. Y'a moi que je te parle? Oui. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Je voulais, je voulais m'excuser par rapport à la dernière fois quand j'étais avec John dans l'ambulance. Et je t'avais dit que je voulais être canne, tout ça. Je suis vraiment désolé. Est-ce qu'on peut repartir sur de nouvelles bases ou pas, toi et moi? Ok, on se connaît pas alors. Non, mais ne me blesse pas. Ne me dis pas des trucs comme ça. C'est toi qui vas blesser. C'est toi qui vas taper. Mais voilà, je suis désolé. Bah écoute, regarde ce que je vais faire. T'es désolé, ça change rien, tu vas taper. Vous êtes ma douce beauté suprême, la femme unique d'amour que j'aime. De toutes les filles de la terre, la plus jolie, la plus sincère. C'est bien ou pas? Ouais, c'est bien, mais je sais pas si... Non, mais c'est mieux que de dire j'ai envie de te ken. On est d'accord? Oui, c'est sûr. Mais après, c'est deux extrêmes opposés. C'est... Liz, t'es toujours célibataire en ville ou... Pour savoir, peut-être. Est-ce que tu penses que genre un jour dans la semaine, on pourra se caler un petit moment, toi et moi, un petit rencard entre amoureux, quoi? Un rencard entre amoureux? Bah, on peut se voir, mais après, je sais pas. Hein. Non, mais genre boire un verre, faire connaissance, etc. quoi. Échanger, quoi. Échanger, quoi. Ouais, si tu veux. Toi, ça, t'as mon numéro. Mais je me souviens, une fois, tu m'avais appelé. Attends, mais t'as baillé, là. J'étais à un événement, donc... Non, mais je te fais chier. Je te fais chier. Je suis fatigué de nature. Eh ouais. Eh voilà, tu me respectes pas, Liz. On me baille pas comme ça dans la gueule des gens. Non, c'est... T'es sérieuse, là? J'ai mis la main devant, t'as pas vu? Non, j'ai pas vu, je suis désolé. Ok, bon, on fait comme ça, alors. On s'arrête de se caler un petit rendez-vous, toi et moi. T'es libre quel jour? Mercredi, jeudi, vendredi? Tous les jours. Oh! Enfin, je suis en service, mais je... Ah, ok. Voilà. Ok, ça marche. Bah écoute, je passerai un petit coup de fil, un petit message, et tu me diras si t'es disponible. Ok, ça marche. Bisous, prends soin de toi. Ouais, toi aussi. Eh, il se passe quoi, là? Moi, le déchire. Il se passe quoi, là? Ta voiture. Déchire ta voiture. Il se passe quoi, là? Putain, j'arrive même pas à fermer ma porte. Moi, le déchire sa voiture. Mais il se passe quoi? Moi, le déchire sa voiture. Ouais, non, mais ça, on a compris, hein. Bon, descends, Curtis. Je vais déchire sa voiture. Je vais vous ramener en ville. Dick? Ouais, vas-y, là. T'es où? Bah, j'étais avec Liz, okay. Là.
Chaïk Liz, pourquoi? Bonjour, ramène-nous les gars. Non, comme ça. On va boire un verre, c'est moi qui offre. Vas-y, c'est parti. Ah ouais, vas-y, allez. Ok. Allez, c'est parti. J'étais avec Liz. Par contre, c'est ma meuf. Ah ouais, c'est un fille. En fait, on est reparti sur de nouvelles bases avec elle et je lui ai proposé un petit rencard cette semaine si elle était chaude, tu vois. Elle m'a dit, ouais, pas de soucis, tu vois. Donc voilà, je croise les doigts quoi. Non, je te l'ai dit, toi t'es abonné au Michto. Hein. Quoi, c'est une Michto, Liz? Bah frère, t'es pas au courant que la moitié de la ville est sur elle? Ah, arrête de te foutre de ma gueule, toi. Toi t'es un jaloux, Wallah. Eh, toi, depuis que t'es devenu une serpillère au Comico, tu parles mal de ouf des meufs.